plateaux sont un peu durs, les autres ça va mieux. Ouais. C'est trop chiant. Là tes beurres tu les descends à combien? À 5. 5. Ah, 5. 7 dans un sens et après jusqu'à 5 dans l'autre. Là, t'es à combien? Je suis à 5. Thank you.
j'ai presque. Plus de la matière là, c'est chier de jeter quand même. J'ai tendance à faire les bandes dessus un peu plus épais parce que sinon au four en deux mois ça craque. Elle est fragile encore. Tu vois, elle est cassante. Tu vois. On pourrait la sortir. Mais... précaution, on va la remettre. Une minute. Ouais, parfait. C'est ça.
positif ou... Ouais, un positif à deux. Après, quand il fait un peu chaud, congèle l'été. Ou alors refroidir sec, mais là. Ouais, jamais de farine. En dimension, on est à 7,5 et on est à 33 de hauteur. On coupe à peu près 1,5 cm à la base. Et l'épaisseur ? On est à 4. Là, je roule le premier, je roule bien serré. Et après, on vient bien faire les bonnes soudures des queues. Et après, on roule sans serrer. Voilà, comme ça. Là, une fois qu'on a fait la petite queue, on l'a fait dépasser d'un centimètre derrière. Et là, je viens courber, j'appuie un peu. Les vendeuses le soir qui plaquent avant de partir. Ok. Sauf qu'avec les tunnels où je peux plaquer en direct, mais la plupart du temps on fait comme ça, c'est plus facile pour l'organisation. Et moi j'ai 2-3 jours d'avance, ça évite les commandes un peu imprévues et les erreurs qui pourraient arriver, le groupe de sel, je sais pas. Les erreurs possibles et inimaginables, donc ça nous permet de jamais manquer en livraison. Donc là du coup, pour faire la chocolatine, pas le pain au chocolat, on a une base de 7 et en longueur on est à 16. Donc là je mets le premier bâton, je serre bien, je vais mettre le deuxième et là je roule bien serré.
épaisseur, je suis à 3,8. Ouais. 3,8. Et je suis à 35 de longueur de hauteur de patron. Okay. 500 grammes de crème pour un bâton de 2 kg. On aura toujours à 3 bons centimètres de chaque côté. Je vais les dorer et on va les laisser pousser une heure et après on va les congeler. Ça, si on les fait pousser, on a des gros creux, donc ça se fait à peine pousser les Suisses. Une heure de pousse et après on les congèle, comme ça on peut le sortir à la demande tous les jours. Quoi. Okay. Et là il fait quelle taille? 6 de. Ok. 6 par 14, 6 par 15. Quoi. À une heure et demie, dès qu'on voit que ça démarre un peu, on va prendre congèle. Et après, il n'y aura plus qu'à les cuire congelés comme ça, les mocs. Ça permet de sentir la demande. Personne. 12 par 12 en centimètres et épaisseur à 4 mm. La même dimension que la choco, sauf qu'on tourne. Ok. Au lieu de détailler comme ça, je vais détailler comme ça. Ok. Pour être dans le sens du feuilletage.
l'alien à 2 degrés là, pendant environ 12 heures. Et elle se déclenchera automatiquement dans la nuit vers 3-4 heures et montera à 27 degrés pour 2 heures et demie de pouce. Comme ça, à 6 heures, on la cuit et puis elle part au magasin après. Allez. Je vais pas connaître.